Nous allons parler du 12e album de My Dying Breed, Field of Misery. Ce groupe anglais a commencé sa carrière à succès dans les années 90, jouant à doom metal à tendance death. My Dying Breed a en effet pionnier, avec Anathema et Paradise Lost, le death doom avec ses atmosphères sombres. Et si Anathema a évolué vers un rock atmosphérique, Paradise Lost et My Dying Breed jouent à présent un doom plus influencé par le metal gothique que par le death metal, même si beaucoup de chansons sont encore doom death dans leurs albums. La musique de My Dying Breed est très pessimiste, autant dans les paroles que dans la musique, sombre. Les membres du groupe déclarent en effet dans une interview que « il y a assez de groupes qui jouaient des chansons joyeuses, le monde n'en a pas besoin d'une autre ». En tout cas, cet album est très bon, le son est lourd, sombre, mais immensément mélodique. Les chansons sont plutôt longues, avec plusieurs qui durent 6 à 9 minutes, et deux plus courtes de 5 minutes. To Shiver in Empty est une chanson en décrescendo, qui se termine sur un morceau de guitare distant, de plus en plus discret. A Cold New Course est un retour palpitant du death doom, avec un chant guttural et une guitare saturée à rythmique purement death. Cette chanson alterne entre phase death doom et son lent et grave, avec des guitares mélodiques et une batterie délicate, qui frappe juste avec pas mal de cymbales, comme pour accentuer l'avancée dans la chanson. Un rythme binaire régulier face à un solo de guitare de grande envergure. Puis une phase death doom reprend, sombre mais onirique, avec un sentiment de puissance. Les chansons sont vraiment bonnes, en plus comme il pleut dehors, l'écoute de cet album aux sonorités sombres et froides illustre vraiment bien le froid de la pluie, tout comme Black Sabbath a su le faire en son temps avec sa chanson éponyme qui commence avec une averse. Il y a aussi Raining Blood de Slayer, mais la chanson est beaucoup plus vive que le doom metal de Black Sabbath et de My Dying Breed, avec son speed trash. Fin de la parenthèse mauvais temps, concluons sur l'album. J'ai vraiment apprécié cet album. J'aime beaucoup le death doom, je vous conseille d'ailleurs le groupe OxoxOx, dont je vais mettre un lien en description. C'est français et c'est bon. Du death doom formant une musique dark ambiante. En tout cas, partagez la vidéo, abonnez-vous, quant à moi je vous dis à bientôt pour un autre épisode.